Bonjour à tous et bienvenue pour le Conseil des anges. Sans plus tarder, nous allons découvrir quel message ont les anges à nous dire en ce jour. C'est l'ange Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Oui, votre souhait se réalisera. Toutefois, vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive. Demandez-moi de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant. Et inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous, Dieu seul dans la sagesse sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges. Plus vous resterez concentrés sur votre foi, mieux nous pourrons vous aider. Passons maintenant au message angélique du livre Oracle des anges. Voici votre message. Méditez en position debout dans la nature. Aujourd'hui, nous vous suggérons d'essayer une nouvelle forme de méditation où vous aurez à retirer vos chaussures, vos chaussettes et vos bas pour vous tenir debout et pieds nus sur le sol, qu'il s'agisse de terre, de sable ou d'herbe. Trouvez un endroit où vous pouvez demeurer debout confortablement pendant quelques moments. Faites bouger vos orteils et sentez l'énergie du sol sous vos pieds. Respirez profondément pour aspirer cette puissance vers le haut, jusque dans votre corps. Fermez les yeux en vous détendant au rythme de votre respiration et des battements de votre cœur. Écoutez les sons de la nature et remarquez les pensées et les sensations qui vous viennent. Permettez à l'esprit paisible de la nature de vous apaiser et de vous revivifier. Pensée du jour. Je me tiens pieds nus à l'extérieur dans la nature. Je ferme les yeux, je respire profondément en attirant en moi l'énergie des éléments naturels. Je suis totalement connecté à mon environnement en tout point. Je prends du temps pour moi aujourd'hui. Sur cette belle pensée du jour, je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt.